YouTube, Jean Faible. Voilà, ça a déjà plus de relief. Alors, il faudrait peut-être que le double poteau qui est là monte plus haut, je pense, pour que ça fasse plus joli. Mais je pense que là, déjà, c'est mieux. Vous voyez, on a l'impression qu'on avait à la base des poteaux en pierre ici. On avait des poteaux en pierre là. Et ils soutiennent en fait tout le reste qui est juste des lattes de bois pour la maison elle-même. Du coup, il y a une certaine cohérence. Parfait. Donc là, on est bon. On aurait même pu envisager ici un espèce de raccord de toit, mais j'ai peur de le faire parce que j'ai peur que ça soit chiant à faire en fait. Ok. Alors du coup, je pense qu'ici, on pourra... Donc c'est le truc qui me dérangeait, c'est qu'en fait, on l'a vu quand on était dans la pièce. Quand on est dans la pièce à l'intérieur, ici... Vous voyez, on voit les bords là. Et ça, en fait, je les enlèverais bien. Du coup, on aurait juste un truc comme ça, vous voyez. Et quand on arrive sur la zone qui est là, c'est plat. Ce qui paraîtrait plus confortable. Hop. Comme ça, j'ai mon mur comme ça. De l'autre côté. Là, on est OK. On a le raccord. Éventuellement, je pourrais faire un raccord-toit ici. Ou alors, je laisse le dernier étage en bois remarqué. Attendez. Ah, ça fait plus sympa comme ça. Merde, il est pas peint ici. Je peux peut-être ici copier. Ah oui, on a la bonne distance ici. Bah, parfait. Quoi? Non. Copier ça. Et c'est bon. Je savais pas que ça marchait de si haut. Bah, c'est très bien, ça m'arrange ça. Bon, il y a peut-être la ligne là. Peut-être changerai la couleur de la poutre qui est ici. Et ça, ça me convient bien. Ça me convient pas mal. Oui, jour de horde. Hein. jour de horde. On va aller faire un peu le tour de la base, voir surtout si on n'a pas laissé des blocs de construction traîner qui pourraient donner de mauvaises idées aux zombies. Mais a priori, je dirais que non. Et on va vérifier qu'on n'a rien à réparer ici. On va quand même aller mettre un petit coup de polish là-dessus. D'autant qu'on a des trucs là, cassés. On va aller faire le tour de la base quand même. Ah, J'aime bien l'aspect que ça prend. Allez, je fais juste un petit truc parce que là, ça me perturbe. Ça, je le prends. Ah oui, ça fait déjà mieux, là. Ça fait déjà mieux comme ça, je trouve. Vous voyez, l'avancée, ça met un peu de relief ici. Alors, faudrait faire la même chose là-haut, mais je pense pas qu'on ait des demi-bords. C'est ça, le problème. Bon, allez, hop, je vais aller faire des préparatifs quand même pour la horde. Relancement de la prod aussi. Putain, à chaque coup, je sais qu'il faut que je relance et... J'ai complètement oublié. Ah. On a des marioles là. Je saute là. Oh, j'ai oublié de sauter. C'est bon. Plus de peur que de mal. Ah, ça serait bien nos petits copains. Ça va être fantastique la horde. Avec ce niveau de précision, je crois qu'on est très bien parti. Je vais aller chercher le drop. Attendez.
pense que c'est peut-être une question de couleur en vrai. Hein. Alors la cour est mieux là. Hein. Oh, tiens, il y avait un bout d'échelle ici. Il reste les vestiges des constructions passées. Voilà. On va voir. Bon, faudra peindre toute la base. Comme ça, on sera cohérent. Vous savez, avec moi, la cohérence, c'est ce qu'il y a de plus important. Toujours être cohérent. C'est ça le plus important. Ouais, on a un paquet de magazines. Très bien. Trésor ou quoi? Remarquez, je suis pas très loin. Bisous. Ça va me faire un peu d'argile. Après, de mémoire sur les cartes au trésor, je crois qu'on a surtout de la bouffe. Peut-être un peu de thunes. Il a quasi pas bougé et là-bas non plus. Donc il serait plutôt par là. Il a disputé un truc. Voilà. Du premier coup. Les crochetés. J'ai la pioche. Oh putain, j'ai eu peur. C'est bon. Tout n'a pas été complètement un fiasco. Une batte de baseball. On a une batte de baseball. On les utilise pas, mais au cas où, on en a une. Bon, la technique n'a pas marché cette fois. Très curieux. C'est pas une science exacte, hein. Vous le savez. Tout ça est soumis à tout un tas de variations infinies qu'on peut pas prévoir. Hein. C'est très quantique en vrai. Alors, de loin dans le brouillard, ça a une bonne tête. Hein. De loin dans le brouillard, c'est ça le problème. Hein. Ouais, de loin dans le brouillard, c'est bien. Et en soi, est-ce que cette phrase n'est pas un problème déjà de base? Peut-être. Taper sur ce truc, c'est pas ça le design. Allez, viens mon gros. Merci. Parfait. Ok, bon, je vais me préparer pour la horde parce que bah voilà, j'ai plein de bazar à ranger ici. Nous habituellement qui sommes si prompts au rangement. Je vais laisser la bouffe, je vais laisser le café, je vais mettre ça dans tout ce bordel. Ça va être mieux. Ah bah j'ai retrouvé mon couteau, il était là. Il était rangé ici. C'est de la merde. Ah, armure militaire qualité 2. Ça c'est bien ça. Ça on lit. Ça XP. Et ça on lit. Ça vaut combien ça? Ouais bon. À terme. Comme à chaque fois. Bon ça sort quoi avec tout ça? Il va falloir que je fasse des coffres en plus je pense. Parce que là on commence à être un petit peu à l'étroit sur tout ce qui est craft. Hein. On a beaucoup farmé pour build, mais on a assez peu farmé en fait pour faire des armes. Est-ce que c'est raisonnable? Probablement pas des masses. Hein. Évidemment, on aura le générateur à lancer. Ça, du coup, je prends sur moi. Je vais garder ma pioche parce que je vais aller miner. Je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. On a de quoi réparer. On a quelques balles. J'en ai encore en bas au cas où. J'ai quelques balles ici. J'ai mon café. Zou! Ok, on a un peu de matos, on va aller le mettre à fondre. Ça fera le job. C'est marrant que ça soit abîmé ici. Et c'est marrant qu'on vérifie que maintenant, tout va bien. Bon, c'est normal ça,
C'est l'usure naturelle des matériaux. Pas de raison de paniquer. Par contre, ça serait bien qu'on remplisse les forges pendant la horde. On a les potions d'XP qui sont là. Et avec un peu de chance, les vautours vont venir par ici. Ça serait pas mal, hein. On va activer ça quand même. Et ben voilà. Il y a de l'essence. On est très bien. Ici, j'ai un peu de bouffe au cas où. Ah! Oh merde! Oh merde, j'ai tout posé! Oh, les rangements automatiques! Oh, terrible! On aurait eu le droit à une petite panique. Petite panique. Rien de bien grave, bien entendu. Vous le savez. Voilà, c'est bon. On a tout, évidemment. Rien n'est laissé au hasard ici. On est un peu stressé quand même. Hein. On est un peu stressé quand même parce que on a fait des bulles cheloues par là. J'espère que j'ai pas fait de la merde au niveau des blocs. Quand on les verra arriver par là, on se dira que ça va. Ah, c'est bon. Ça a l'air d'arriver par le bon côté. Voilà. C'est bon. Oh merde. C'est bon, j'ai plus de quoi boire. C'est un peu bruyant, mais c'est normal. Merde. Alors ça commence parfaitement bien. Ah merde. On les voit pas les flics dans tout ce bordel. Faut juste checker la vie. Je vais me soigner. On va réparer. C'est parfait. Eh bien. Bon, les filles qui pètent, j'aime pas ça. Hein. Ok.
j'ai vu des flics. Et j'ai entendu un tir. Parfait. C'est bon, il passe du même côté. Pour l'instant, on est bon. Pas de flic, si là. Oh le bordel. Mais ça va, ils sont bien alignés. On a de la chance. Calmez-vous messieurs et mesdames. Oh crotte. Allez. Hop, merci. Allez, éteins-toi. Merci. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Allez. On a une fence qui marche plus. Merde. Ok. Oula. Oh bordel. Je vais le mettre par là. Voilà. C'est bon. On ne voit plus rien. Si. C'est parfaitement fluide, pas du tout. Et on a vu pire. Ok, c'est bon. C'est bon. Ah merde, la potion de XP. Bon bah on l'utilise un peu. C'est bon, on a utilisé ça au moment où c'était pas utile. Et il me reste un petit peu de ça. Raté. Ah.
tout va bien. On va se mettre un petit soin. Nickel. On veut rien à ce qu'il y a dedans là. Où êtes-vous? Montrez vos têtes. Je l'avais chargé de par là. Raté. Raté. Oh bah. On est très performant hein. C'est bon. Il t'appelle ou pas? Ah, j'entends une fence qui est cassée encore. Bon. C'est bon. Parfait. Alors, il s'est visé correctement. Bien. Ça lague un peu, hein. On ne comprend pas pourquoi. C'est parfait. Il y a du feu devant là. Il y a des piafs aussi. Beaucoup de piafs à l'étage, je pense. Les ondes des piafs qu'on voit là-bas. Non mais c'est bien mon système. Oh là là. Ils arrivent pas, il faudrait que je casse ça en fait pour que les piafs passent ici, je pense. Ouais, je pense que ça serait une bonne idée. Bon, on va les looter. Ouais, il faudrait que je casse au-dessus de ma tête pour que les piafs arrivent et éventuellement je les accueillerai avec une petite
Une petite sulfateuse. Ça serait tout bon, je pense. Bon, par contre, ça les canalise mieux que je ne pensais, cette base. Mais voilà, faut quand même être prudent parce que le problème, c'est qu'on a une mauvaise visibilité. Quand on va avoir les démos qui vont popper, ça risque de pas être drôle. Allons looter en bas les sacs. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là-dedans? C'est toute la question. Des petits bouquins, des trucs comme ça. On va faire un peu le bilan de tout ce qu'on a looté. Sachant qu'on n'a pas coupé l'électricité. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Je vais voir s'il y a des sacs qui sont tombés. Ici. Non, c'est bon, je crois qu'on a tout récupéré. Et je vais aller voir s'ils n'ont pas trop pété le toit. Bon, là, ils ont tout pété pour essayer de m'atteindre. En fait, en dessous, je suis juste ici. On est décalé par rapport à là. Et là... Non, là, ils attaquent plus, du coup, ici. Ils attaquent plus. Donc, c'est une bonne stratégie. Et je pense qu'il faudrait que je casse ce truc-là pour que les accès ici soient libérés. Et là, les piafs viendraient, je pense. Et après, j'installe une tourelle ici pour les allumer juste au-dessus. Ça paraît un bon plan. On va faire le bilan des loots. Mais bon. Bon, bah, 2-3 petits trucs intéressants. Mais rien de transcendant. La base a fait ses preuves de toute façon, je pense. On attend juste le cap des démos. Et je ne sais pas à quel game stage c'est. Je ne sais pas quel game 140, c'est pas 148 un truc comme ça. On les aura probablement à la prochaine horde. Comme ça, ça permettra de tester la base. Bon, si je fais pas de boulettes. YouTube, j'espère que ça t'a plu. À la prochaine.